de leur hymen était née une fille douée de tant de charme et de grâce qu'ils ne regrettaient pas de n'avoir une plus ample lignée. La magnificence, le goût et l'abondance régnaient dans son palais. Les bâtiments étaient magnifiques et les écuries vastes et remplies des plus beaux chevaux du monde. Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un âne étalait ses deux grandes oreilles. Cette injustice peut vous surprendre, mais lorsque vous saurez ses vertus non pareilles, vous ne trouverez pas que l'honneur fût trop grand.